Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, en ce jour des enfants, on a plein de choses à voir. On va parler de Baba, on va parler du 1846, du 1916 et de Zenobia. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Ça devrait déjà être fait, donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait les amis. Et surtout, on a éclaté le plafond des 1000 personnes sur le Discord, des 1000 patates. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, c'est super simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. On y parle de tout, de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore les amis. On va commencer tranquillement, comme d'habitude, par les events qui ont pop et on voit qu'il n'y a rien, excepté la mise à jour du calendrier, avec, comme je vous l'ai annoncé hier, la course contre le temps qui arrivera donc 4 jours après les premiers events saisonniers, à savoir la chasse au trésor, l'artisanat ingénieux, etc., etc. On a toujours la roue de la chance. La roue de la chance, je vous invite encore une fois à aller à 10 tours. Vraiment, c'est simple, c'est facile et si vous pouvez vous le permettre, ça vous coûtera moins de 7000 gemmes. Une petite tête gratuite, ça fait plaisir. Vous faites le lancer gratuit, le lancer à 50% pendant 3 jours et après vous faites soit 4 tours, ah, il m'a pardonné une tête, soit 4 tours, soit 5 tours d'un coup si vous voulez gagner un tour. Le résultat sera le même financièrement en termes de gemmes. Et toujours la taverne légendaire, on va la manger encore pendant 21 jours, 18h, 16 minutes et 56 secondes. Donc on en profite. Même si le drop rate est un peu naze, ça nous permet d'obtenir quelques sculptures gratuitement, comme les 35 sculptures gratos d'hier. Elles font bien plaisir, on attend que ça pop. Rien d'autre à part les paris. Les paris, on y reviendra, on reparlera justement jeudi ou vendredi. Des paris très probablement vendredi, on reparlera du 1846 notamment et d'autres royaumes bien évidemment, en espérant cette fois qu'on se blindera. En parlant donc du 1846, j'y viens puisque regardez ce mail qui a été envoyé par le lead, l'un des leads du 1846, à savoir Laguna pour leur prochain KVK. Donc ça a été envoyé le week-end dernier. Il écrivait à tout le monde. Cette info, je l'avais déjà. On m'avait demandé de la communiquer. Donc il faut savoir qu'il y a un méga, méga KVK en préparation, à savoir le 1916 contre, que le 1916 qui est énorme avec le renfort des JWM qui vont aller sur le 1916 pour une trentaine, je crois, ou une soixantaine d'entre eux. C'est assez énorme et d'autres joueurs, vraiment, le 1916 est en train de devenir monstrueux. Donc le 1916 qui devrait rencontrer le 1846. Alors comment font-ils pour réussir à choisir leurs adversaires? Ben, c'est assez simple, les deux ne s'inscrivent pas et quand vous ne vous inscrivez pas sur les nouveaux KVK, sur le Heroic Anthem, la saison de conquête, eh bien, il y a une session de rattrapage et ceux qui ne sont pas inscrits tombent les uns contre les autres. En général, il n'y en a pas suffisamment pour faire deux KVK. Donc, vous tombez sur ceux qui ne se sont pas inscrits si le matchmaking le permet, ce qui sera le cas là, puisque les deux royaumes sont énormes. Et regardez cette information intéressante que Killer, tu pourras nous la commenter, qui est Killer qui est avec Legend Ronnie, hein, qui est chez les Z415 et qui est sur le Discord. Tu pourras nous le commenter sur le Discord ou en commentaire cette vidéo. Regarde, il est écrit que le 1415 n'a pas voulu venir pour faire un KVK plus balancé, pour avoir un KVK avec un meilleur matchmaking. Donc, en gros, hein, le 1415 de Ronnie se serait dégonflé pour ce KVK, ce méga KVK de royaume rempli de baleines. Donc, ah bon, ça me surprend cette info. Mais pour nous, pour les joueurs qui suivent cette vidéo, dis-nous en commentaire ce qu'il en est. En tout cas, ça va être un méga KVK. Il parle aussi de leur match de playoff. Donc, KVK à suivre dès qu'il va pop, vous pourrez être sûr. Je vous ferai très probablement même une interview de certains joueurs là-dessus en live, comme on a déjà fait, pour suivre ce KVK qui va être tout bonnement énorme. En parlant de KVK énorme, on va revenir sur le KVK de notre ami Shizgul. Le KVK de notre ami Shizgul qui nous disait hier, d'ailleurs dans sa vidéo, je vous avais montré un screen, que comme sur l'open field, il roulait sur les C9N, eh bien il n'y avait pas de raison qu'ils perdent leur match contre les C9N en Ligue Osiris et qu'ils allaient les brûler. On va tout de suite aller voir notre ami Shizgul qui est sur le 1075, donc c'est simple. On recherche le 1075. De Shizgul et on va sur ce KVK qui est une saison de conquête hein, pour ceux qui ne le savent pas. On est sur un lutte D8 et on va aller voir, hein, il se trouve en camp vert avec le 10-46
10-47 et le 10-16. Tac, on y va tout de suite voir ce que ça donne. On arrive sur son serveur et vous allez voir où est notre ami Shizgul. Ils sont en bas à droite et ils se font trash-talker à mort sur Facebook. Pourquoi ? Regardez cette petite technique. Comme ils se font rouler dessus au final en Dimbroco et en Okuri et qu'ils vont se faire envahir, c'est déjà le cas. Regardez, les 114K ont pété la porte et sont rentrés notamment, mais ce n'est pas les seuls. Hein. On a les Song aussi hein, qui sont rentrés, qui sont aussi sur le 114. Enfin, le 114 est partout, remarque. Eh bien, regardez, ils ont mis, regardez-moi. Alors, ils n'ont pas battu le record de forteresse de nos amis du 1365, mais regardez, c'est bien simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 forteresses pour piéger. Pourquoi ils ont fait ça? Pour enfermer leur forteresse croisée et que leurs adversaires ne puissent pas prendre cette forteresse croisée. Sachant qu'une forteresse, c'est un jour et demi, si je ne dis pas de bêtises, un jour et demi. Là, pour arriver dessus, même il va falloir détruire 3 forteresses pour pouvoir la toucher. Allez, on va dire peut-être 2. Non, 3 forteresses pour pouvoir toucher cette forteresse croisée. Donc, ça va leur prendre normalement un peu moins de 6 jours, autour des 5 jours pour la prendre. Ça va être très long. Et combien de temps reste-t-il sur ce KVK? Tac, si on regarde, on y retourne. J'ai perdu le numéro. Donc, on fait 10, 75 et on regarde combien de temps il reste. Ils sont à 43 jours. Il reste, si je ne dis pas de bêtises, 5 jours. Donc, en théorie, ils ne pourront pas prendre leur forteresse croisée. Ils ne pourront pas prendre la forteresse croisée des SW. Alors, et puis, ils en ont mis partout aussi hein, pour avancer. Donc, quel est le mérite de faire ça? Je ne sais pas. Écoutez, je ne comprends pas le but final, juste à part empêcher l'adversaire d'avoir la forteresse croisée. Ce n'est pas très fair. C'est vraiment des rageux qui font ça. Je ne pensais pas. J'ai déjà affronté le 1075 en saison 3. Ils nous ont roulé dessus, d'ailleurs. Je ne pensais pas qu'ils étaient rageux comme ça en cas de défaite de KVK. Ils n'en perdent pas souvent des KVK. Mais c'est dommage. Ce n'est pas très sport. Ce n'est pas très fair, encore une fois. En parlant sport et en parlant fer, on va aller voir à présent ce message qui a été envoyé par notre ami Baba lors d'un stream, sur un autre streamer, il me semble que c'est un streamer turc. Regardez, notre ami Baba a officiellement annoncé durant ce live une info assez énorme. Il a annoncé que son prochain KVK serait avec le 1412. Donc c'est officiel, Baba va quitter les JWM. Et il va aller sur le 1412. Alors, comment dire? Baba est parti d'un royaume qu'il a détruit pour aller chez les JWM, où il est resté et où il a détruit le royaume à coup de drama. Il a même fait partir un joueur qui était à plus de 900 jours de jeu, qui était le leader depuis 2 ans des JWM, leader plutôt apprécié, hein, Fae, pour maintenant s'en aller, laisser le royaume mort et aller sur le 1412. Comment dire le 1412 que vos jours sont comptés, c'est tendu, donc ils sont, il va aller sur le 1412. Et regardez la deuxième info qu'il donne, encore une fois, hein, il fait une vente de puissance, Baba fait souvent ça, il dit que lors du pré-KVK, il va monter à 2 milliards de puissance. 2 milliards de puissance, sachant qu'il est à 1,1 milliard actuellement. C'est-à-dire qu'il va pousser de 900 millions. Rappelez-vous, lors du pré-KVK avec les JWM, il avait dit qu'il allait, il avait envoyé un mail à tous les JWM, il avait dit qu'il allait, à tout le royaume même, qu'il allait dépenser de l'argent comme jamais et les couvrir de coffres en or. Au final, il s'est fait bananer au pré-KVK et il n'a pas tant dépensé que ça. Il a dépensé même moins que d'habitude, j'ai l'impression, et il a même perdu beaucoup moins de troupes que d'habitude. Donc bon, ces propos sont à prendre avec modération. Est-ce qu'il va vraiment, en arrivant sur le 1412, éclater le pré-KVK et monter à 2 milliards? Malheureusement, on ne le saura pas tout de suite, on va devoir attendre. Mais j'ai bien peur que ce soit la même chose que ces discussions hein, qu'il a, où il portait la communauté pour les free players et les infos qu'il a, et qu'ils vont nous donner dans la semaine. Promis juré, Lilith communique dans la semaine. Bon, le problème, c'est qu'ils doivent communiquer dans la semaine depuis 3 mois. Mais en tout cas, voilà, l'info sûre, c'est, enfin sûre, sauf s'il change d'avis, mais en tout cas, je l'ai déjà entendu depuis plusieurs semaines à présent, il va sur le 1412. Si vous êtes sur le 1412, je vous souhaite beaucoup de courage. Ça va être tendu. J'espère que vous aurez une meilleure fin
que les précédents royaumes où notre ami Baba était. On va passer à présent à quelque chose que vous êtes nombreux à m'avoir demandé, à savoir un rapport avec mon duo Zenobia YSS. Alors, je vais vous montrer un rapport puisque je l'ai utilisé lors du dernier match de la Ligue Osiris. Regardez déjà mon duo, comment je l'ai stuffé. Je vous ai déjà montré le stuff qui me paraît le plus performant après différents conseils et différentes analyses sans avoir les éléments légendaires. Donc, c'est le casque de résurrection. C'est le plastron battu par le vent. C'est aussi la brutalité de Seth. Le bouclier du gardien. L'humilité de Karuak. L'anneau de damnation. Là, j'ai l'amulette de Dolan. Mais le mieux, c'est bien évidemment la corne. La corne que je ne peux pas encore crafter. Vérifions. Mais normalement, il me manque du cuir. C'est ce que j'attends de crafter. Regardons. On devrait s'en rapprocher. La corne de fureur. Voir, je suis bon en pierre. Je suis bon, on va dire, en ébène, et c'est vraiment le cuir qui me pose problème, donc on attend tranquillement. Et pourquoi avoir choisi ce stuff? Et bien évidemment, hein, les bottes de chiot. Pourquoi avoir choisi ce stuff? Car il est axé défense, santé, et c'est ce qui est le plus performant en défense. Défense, défense de l'infanterie, santé de l'infanterie, et puis là on est sur des bijoux, donc j'ai pas les bons les meilleurs bijoux en santé défense, mais c'est des très bons bijoux quand même. Santé de l'infanterie également, et en plus regardez la particularité, l'avantage, c'est que ce genre d'items en critique, eh bien ils sont aussi bien que les légendaires. Santé de l'infanterie, vous voyez celui-là va donner 10,5, 8 plus 2,5. Si je vais sur mon Guan et que je regarde la nuit éternelle, défense de l'infanterie, il donne 12. Donc personnellement, je préfère un 10,5 en défense, en santé plutôt qu'un 12 en défense. Si on regarde par exemple, on peut prendre le plastron. Ce plastron-là, il va donner la plaque de l'Empire éternel, va donner plus 11 à l'infanterie. De l'autre côté, celui-là me donne en défense, que je préfère à l'attaque, hein, plus 6 avec le critique. On peut se permettre de critique, il est vrai. En revanche, il est vrai que c'est nettement moins bien que la cape, hein, que cette cape, la cape de l'espoir. Dès que je pourrai, avec défense plus 12, là c'est magnifique, dès que je pourrai la crafter, bien évidemment je le ferai. J'en ai que 9 pour le moment, plus 13, j'en ai que 21. Il me manque 9 parties de plan. Donc avec ce stuff et YSS en duo expertisé, j'ai mangé une grosse attaque sur ma ville, hein, je l'ai fait volontairement justement pour vous faire un rapport. Alors je m'étais bien battu avant, je m'étais bien fait déjà démonter, j'avais bien swarmé les obélisques ennemis, etc. Et regardez donc, c'est assez simple, hein, j'ai mangé pas mal de personnes, ils m'ont bien swarmé, ils m'ont et rally et swarmé. C'est très simple et je n'ai pas perdu, même si on a l'impression que j'ai perdu. Non, c'est eux qui ont perdu au final. Donc le rallye, le premier, moins 2,1 millions. Il a bien mangé ses dents, moins 780K. Je vous disais, hein, j'ai bien perdu mes troupes. J'avais 2,6 millions, 721 000 d'infanterie seulement, que 366 000 d'archers, un peu de cavalerie, mais surtout après du T4 et du bordel, j'avais beaucoup moins de troupes. J'ai pris que 169 000, moins 780 000. Et regardez tous ceux qui ont swarm à côté. Eux, ils ont pris cher, moins 800 000 pour moins 200 pour moi, donc un ratio de x4, un ratio de x5 dans ses dents, un ratio de x3, un ratio de x4 encore, un peu plus de 4 même. Alors lui, il est magnifique, hein, c'est lui qui a le plus mangé ses dents, mais à mon avis, il devait être avec des balistes. Regardez, lui, il a pris un ratio de x30, il était avec quoi? Non, non, même pas, il était avec des archers T4, alors lui, il s'est fait défoncer la bouche, un ratio de x2, 2,5, 4, 5, enfin 4,5, 6, donc vous voyez là 5, enfin 4, 3, donc on est entre 2 et, si j'exclus le 20, entre 2 et 6 de ratio, ils se sont bien tous fait démonter, donc la défense est validée. Évidemment, je pense qu'en KvK, personne swarmerait en plus du rallye ma ville comme ça, sauf à vouloir déchirer ses troupes, ou voir mourir. Celui-là, voilà, c'est le seul rapport, hein. Évidemment, j'étais déjà plus qu'à 1 million sans troupes, je commençais vraiment à manger mes dents, et là, celui-là, c'est un rapport positif pour lui, c'est le seul qui n'est pas en défaite, hein, si vous voyez. Pareil, sinon, les autres, il y en a un deuxième qui n'est pas en défaite, et qui a un ratio positif, un troisième. Ah, sur la fin, il commençait. Quand je commençais à avoir plus de troupes, j'ai commencé à manger mes dents. J'avais pas regardé le rapport jusqu'au bout. En tout cas, ils ont bien pris cher. Alors, vous voyez, lui, à mon avis, il était juste à côté et il a pris de la zone.
lui pour que j'ai 0 en perte et lui à 9,2. C'est la zone de mon duo, de mon ami Zenobia. Donc voilà, un bon rapport, un bon gros rapport. Je pourrais vous le partager sur le Discord hein, dans la section screen. Il est bien sympa. Comme ça, vous avez une vision de ce qu'est capable de faire Zeno YSS avec un stuff, encore une fois. Hein. Ce stuff est tout à fait atteignable hein, par tout le monde. Il n'y a pas de raison de ne pas réussir à faire ce stuff. Il n'y a rien d'exceptionnel. Si j'exclus l'anneau de damnation qui peut être compliqué pour certains middle spender ou le spender, tout le monde devrait être capable de pouvoir faire ce stuff. A few moments later. Pour finir cette vidéo, les amis, je vais vous demander votre avis. N'hésitez pas donc à le mettre en commentaire ou encore une fois sur le Discord sur les fins de KVK, notamment ce qui se passe sur mon KVK et sur plein de KVK. Regardez sur mon KVK, comme vous le savez, on est en train de farmer en Terre du Roi. Il n'y a plus rien à faire. Le 239 a été pulvérisé et donc renvoyé chez lui. Pareil pour le 1177 et pas le 1077. Nos amis les boobs, très forts en Osiris, mais beaucoup moins en KVK. Nos amis les boobs et nos amis du 1194 se sont fait renvoyer chez eux également par nous, par le 1341, le 166 et l'énorme 1401. La question est, regardez, on ne peut plus combattre, donc on attend l'ouverture des portes de niveau 4. Alors, je vais vous montrer l'ouverture des portes de niveau 5 d'abord, celle-là, hein, puisqu'ils sont cachés derrière hein, nos amis les boobs. Elle va bientôt ouvrir, mais pour le moment, elles sont fermées, en espérant pouvoir avoir des combats. Pourquoi en espérant avoir des combats? Car si vous allez dans le succès croisé, il faut atteindre les 20 millions, les 30 millions de troupes tuées ou grièvement blessées. Je suis à 12 287 094 et il reste 14 jours, 17 heures, 59 minutes et 34 secondes, 33 secondes sur ce KVK. Donc ça fait short, hein, mais en une soirée, on peut faire 18 millions. Ça coûtera énormément de ressources et de boost d'hôpital, mais c'est possible. Donc comment atteindre ces 30 millions lorsque on n'a plus d'adversaires? Certains joueurs ont commencé à faire des duels. Moi-même, j'en ai fait avec des amis du 166 et ça a fait un drama. On ne fait pas ça. On a reçu une consigne de notre roi. Regardez, une consigne de notre roi. Voilà, qui nous explique qu'il faut attendre la fin du KVK et ils nous aideront, ils mettront en place quelque chose, le cas échéant, pour atteindre les 30 millions sur la fin du KVK. J'aimerais savoir quel est votre avis. Est-ce qu'on s'arrange? Est-ce qu'on ne s'arrange pas? Comment avez-vous fait dans vos KD? Nous, on a le 166 et le 1401 qui est très pour, évidemment, très favorable à faire dès maintenant des duels pour atteindre les 30 millions et être tranquille. Ce qui est, de mon point de vue, la meilleure solution, car sinon, ça va nous coûter beaucoup plus d'accélérateurs pour soigner les hôpitaux. Regardez moi-même, je dois faire 18 millions. Ça veut dire que si je veux prendre 18 millions à quelqu'un, je vais lui offrir 18 millions en contrepartie, en retour. Donc, il va falloir que je soigne 18 millions, 18 millions, sachant qu'un hôpital, c'est 700 000. C'est presque 30 fois les hôpitaux pleins. Ça coûte pas mal d'accélérateurs, les hôpitaux pleins, sachant que ce n'est pas avec du T1 qu'on va se battre, c'est du T4 ou du T5. Donc, voilà, pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi attendre la fin? Vous le voyez, hein, nous, c'est vraiment les consignes qui sont données. Pourquoi est-ce que ça fait un drama quand certains le font? Il suffit, moi je le comprends tout à fait, hein, il suffit d'enlever, on a des outils hein, de stats, hein, d'enlever ces stats-là, d'arrêter de demander un screenshot à tout le monde. Tout le monde envoie un screenshot ou on prend l'outil qui gère les stats, parce qu'on a un outil de stats sur notre serveur qui gère les stats. On lui dit tu arrêtes de record les kills, ça ne compte pas réellement comme de l'implication dans le KVK et tout le monde est content. Pourquoi c'est important d'attendre les 30 millions? Ce n'est pas pour les 3 sculptures en or des 20 millions, mais bien évidemment pour la pièce de conquête. Si on atteint les 30 millions, sachant qu'on a gagné notre KVK, on pourra avoir potentiellement une pièce de conquête ici. Je vais aller tous vous les chercher. Et en coalition, on va pouvoir en avoir une deuxième, donc ça fait 2. Une troisième, ça fait 3. Et une quatrième à 20 millions, ça fait 4. On pourra avoir 4 pièces de conquête. Sans les 30 millions, on en aura évidemment beaucoup moins. Et avec 4 pièces de conquête, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se faire plaisir de ouf. Pour ma part, si j'ai 4 pièces de conquête, c'est clair. Je prends le casque du conquérant pour ma Zenobia. Infanterie plus 15%, c'est énorme. Et après, j'hésite. Soit je prendrai le plan d'explosion de l'hydre pour mettre sur mon futur duo archer si je monte un duo archer. Ou je prends le plan du marteau
soleil et de la lune pour attaque de l'infanterie 25, mais quand même la défense des archers, ça me tente pas mal, donc j'hésite entre les deux. Après, il reste l'attaque de cavalerie et le plan de la fierté de Khan ou le plan du masque ancestral de la nuit, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, comment ça se passe sur votre KVK quand il n'y a plus de combat et quand on est obligé de s'arranger avec nos alliés. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock.